J'y vais, bébé. Ok, bébé. À tout à l'heure. À tout à l'heure, maman. Salut à tous. Je vous avais dit que je recevais ce week-end du monde. Donc, c'est ce soir, apéro dînatoire. Et je vous avais également dit que je vloguerais. Je trouvais sympa de vous montrer, pas forcément la soirée en elle-même, hein, parce que je ne sais pas s'ils auront envie d'être sur YouTube, mais vous montrer les préparatifs. Là, je reviens de chez Leclerc. Tout est là, je vais vous montrer. Donc, savoir ce que je vais préparer. Ça ne sera pas un repas assis. Comment je vais décorer, bref, ça va changer un petit peu. Et dire bonjour à bébé qui est en train de me détruire mon tapis comme d'hab. À chaque fois que je te filme, tu bailles. Tu as une vie tellement fatigante, je comprends. Pour commencer, vu que ma table est très très tachée et qu'on n'arrive pas à réparer ça, on a pris, enfin j'ai pris une nappe en papier à la foire fouille, ouais, 1 euro et quelques, à poids, trop mignonne. Alors, j'ai dans l'idée de faire des croque-monsieur. Ce sera des tout petits, des mini croque-monsieur, donc avec ça et d'autres au chèvre. Mais je vais bien préciser parce que ceux qui n'aiment pas le chèvre, pas cool. Il y aura donc ça avec des petits pics de mozza, acras de morue. Je sais qu'il y a un collègue qui vient avec des quiches, je crois. Donc là, il y a des fruits d'hiver, un petit peu de vin, tout ça. Je ferai une flamminkuche. Des légumes avec une petite sauce légère, j'aime bien, avec ciboulette et il y aura carottes aussi, concombre. Ça, c'est une collègue qui a déjà donné ça ce matin à Eric. Ça doit être des muffins au chocolat. Elle nous a fait une petite crème anglaise. Ça a l'air trop bon. Non, non, non. Et là, je vais commencer à nettoyer, remettre un petit coup à tous mes verres, les plats. Je vais tout sortir au fur et à mesure. Mais pour l'heure, il faut quand même que je termine, que je fasse la miniature de ma vidéo qui va sortir ce soir. Oh, il me fatigue. Attendez quand même. J'ai pris ça, Jaffadène poire et Jaffadène fraise. C'est trop bon pour ceux qui ne prennent pas d'alcool ou qui ont envie de prendre un petit jus qui change. Et moi qui ne prends pas de jus de fruits parce que c'est beaucoup trop acide, ça c'est parfait. Et mais attendez, c'est pas fini, je suis passée devant Bonopo et la nouvelle collection est sortie. J'ai vu une petite robe chemise, je vous montre, j'ai acheté. Bon, par contre, je suis un peu explosée aujourd'hui. Elle est trop belle. Années 70, donc vintage, le look trop bien. Je vais mettre des cuissards, pas à talons, hein, des cuissards de plaid, collant noir. J'ai pris aussi des petites boucles d'oreilles, je vous montre. Alors, comme c'est une nouvelle collection, hein, 39 à 40 euros, les manches. Elles sont tellement jolies, vous voyez le motif. J'ai pris un petit foulard comme ça. Alors, je ne sais pas si je mettrai avec, mais dans tous les cas, je mets toujours des foulards. Et ces boucles d'oreilles-là, ça va trop avec. Je ne mets jamais de boucles d'oreilles, ou très très rarement. Oh, j'adore l'ensemble. Enfin, je ne l'ai pas essayé, hein, j'avoue. Et en plus, ça, c'était, il restait plus qu'un 36 et c'était un mannequin qu'il portait. Donc, bah, la vendeuse, elle l'a enlevé du mannequin. Voilà. Et pour ce midi, vu que j'ai pas le temps, bah, j'ai pris celui-là. Il a l'air très bon, très frais. Avec cette petite salade, ça me tentait. Je sais ce qui se passe. Je crois que j'ai mis de l'eau de Javel. Enfin, en tout cas, il y a un produit, il se roule dedans. Mais non, bébé, c'est pas bon pour toi. Qu'est-ce que c'est qui te rend dingue comme ça? Hein? Tu vas tomber, tu le sais ça, tu vas tomber. Eh oui! Je vais vous montrer. J'ai un peu changé l'entrée. J'ai également hier rangé toute l'entrée, tout désencombré. Là, il y avait des chaussures, il y avait des trucs qui ne servaient à rien. J'ai juste laissé ça. Et vous vous souvenez, ça, c'était la jolie fleur que ma maman m'avait prise. Et bah, ça rend tellement bien. Juste le banc, ça, nickel. Alors, j'ai terminé, mais ça a pris plus de temps que prévu, le boulot que j'avais à faire. Je me suis habillée et après, je vais préparer. Donc, je vous montre quand même la petite robe. J'ai mis avec des cuissards de plate, la ceinture. Ça fait en fait, c'est une robe chemise. C'est 13 années, comme je le disais, années 70. Et puis ça, et les petites manches comme ça, c'est super sympa. 17h19. Je suis un petit peu à la bourre, ils arrivent les premiers à 6h30. Alors, je commence par couper bah, tous les petits légumes crus. C'est à peu près cette forme-là pour tout ce qui est chou-fleur. Je vais le rincer. Je vais faire des bâtonnets de carottes, bâtonnets de concombre. Et ensuite, bah, je ferai la petite sauce qui va avec. Je commence à être vraiment à la bourre. J'ai coupé donc tous mes petits légumes. J'ai rajouté un concombre. Je me recoiffe tout à l'heure. C'est pas terrible. Et là, je vais faire
les petites boules mozza avec tomates et les roulés avec boursin et du poulet, du blanc de dinde et du blanc de poulet. Je vais peut-être les couper en deux, je sais. Ouais, je vais les couper en deux, ça sera mieux. J'ai fait aussi pour mes légumes la petite sauce avec des échalotes, j'avais plus de citron, donc j'ai mis persil. Et au dernier moment, je mettrai le vinaigre, donc échalotes, sel, fromage blanc zéro. Bon, je vais passer au petit roulé. Je suis tellement à la bourre, là, je suis au croque-monsieur. Ça va être tout simple, ça va être des mini. Hein. Je vais en faire, donc j'ai dit aux chèvres, et là je vais faire classique, donc j'ai pris les la vache qui rit. Ça, je vais le récupérer pour le prochain croque, et évidemment. Je vais reprendre ma petite courette. Je suis mais désolée, je vous avais dit que j'étais à la bourre. Ils sont arrivés donc 6h30. Je venais à peine de finir mes petits épluchages, mes machins, mes crocs et tout. Et là, il est 20h, 20h tout pile. Et donc, bah, on est à l'apéro. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu la table. Mais bon, on est obligé de bouger. On est tellement, il y a tellement de monde qu'on a bougé la table. Mais voilà, donc ça se passe bien. Je vous fais le petit point. Comme c'était prévu. Là, j'ai mis l'alcool sur un bassement, et là, j'ai dit. Ah, c'est pour demain, il se trouve. Il fait. Tu le bouges. Alors, je vous retrouve, c'est le lendemain matin. On avait dégrossi un petit peu quand même avant de se coucher, obligé avec Jack, parce que sinon, il aurait pu faire les fonds de tout, en fait. Donc, bah, ce matin, ça va être rangement quand même, le reste à faire. Et je vous ai quitté hier, on va dire subitement. Parce que je me suis fait mais tellement mal, c'était un peu risible. Hein. Je me suis coincé le doigt, la scène que vous voyez, tout bêtement. Alors c'était, ça commençait à être bleu, j'ai cru que j'allais me sentir mal, j'avais envie de vomir. Vous voyez ce siège? Eh bien en fait j'ai mis tout mon poids, je me suis assise et j'ai coincé pour remettre en fait le pouf en l'air. Et au moment de m'asseoir, j'ai coincé mon doigt contre la barre de fer avec tout mon poids. Oh, j'ai eu trop mal. Bref, c'était une soirée très très agréable. Je vais ranger, je vais continuer en fait à tout ranger. Et puis je vous reprends juste après. Et vous savez quoi? Eh bien ce petit bonhomme a été très très bien. Il est resté avec nous tout le temps, très sociable. Il est allé sur les genoux, il est resté, il a fait des câlinous. Tu as été très bien. Bon, j'avoue qu'à un moment donné, il a chopé. Il a essayé de choper quand on était tous en train de parler. Un petit bout, un petit toast. Oui, oui, on t'a tous vu. Hein. C'est quoi ça? Vous entendez? On dirait que l'oiseau il est coincé là-dedans, alors que non, en fait ça doit communiquer, mais oui. Voilà le petit boulot. Mais d'abord je vais déjeuner. Bon, au final, bah, j'ai préféré être tranquille. J'ai fait tout le rangement, la vaisselle, Et puis j'ai bougé la table. J'ai remis la table à sa place. Voilà, je peux commencer ma journée. Je vous retrouve un petit peu plus pimpante quand même, avec également des cheveux longs. Ouais, parce que là, je vais faire des tests photos avec le produit donc, que j'ai reçu. Si vous n'avez pas vu, hop, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier. C'était le titre des cheveux longs, genre en moins d'une minute, un truc comme ça. Et aussi, j'ai remis ce baume. Vous avez été hyper, hyper nombreux à me demander en fait ce que c'était. Donc, je me suis dit, je vais leur montrer. C'était, vous savez, la collection, j'avais reçu cet été l'Occitane. Est-ce qu'ils le font encore? Rouge de fruits, avec à l'intérieur, vous savez, il y a deux couches, genre comme ça. Bon, vous voyez, je ne suis pas certaine que ça fasse le focus. Et surtout, au niveau du confort, c'est parfait. Parce que ça reste quand même un baume hydratant. La couleur, j'avoue que je pensais pas. Mais je m'y fais. Je trouve que ça me va plutôt pas mal. Donc, je vais me faire une petite photo test pour voir sur Insta. Sinon, demain, on a un gros repas. Donc, ça va durer toute la journée. Un repas de famille, présentation du nouveau-né qui a eu lieu dans la famille d'Eric. Donc, on va pas vlogger, ça c'est évident. Donc, dimanche, il n'y aura pas de vidéo, mais très certainement, je vous retrouve lundi. Alors, ce sera une face cam, il y a de fortes chances.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo préparative de soirée, même si ça c'est, j'ai pris du retard, donc je n'ai pas pu vous montrer tout ce que je voulais, même la déco et tout, j'en suis désolée. J'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à lundi. Ouais. Allez, salut.